ça. Les gars étaient présents en masse avec un stand gigantesque de près de 3800 m². Au programme des nouveautés, la chute du prix de la station à 199$, 1490 francs chez nous, et la présentation du Saturn Netlink, extension de connexion à Internet, qui sortira l'année prochaine en Europe. Mais le plus frappant, c'était assurément le nombre très important de jeux présentés. Attention les yeux! Après Sega Rally, la Saturn reprend la route avec Manic TT, adaptation de la simulation de moto en arcade de Sega. Virtua Cop 2 vous replonge dans l'enfer du banditisme avec cette fois-ci des scènes à bord de véhicules. Fighting Viper est destiné à prendre la succession de Virtua Fighter 2 en attendant la troisième mouture en arcade du célèbre jeu de combat. Avec Euro 96, revivez les matchs de la Coupe d'Europe et prenez en main l'équipe de votre choix. Avec les commentaires de Monsieur Thierry Roland. Papin. Gheorghe Hagi. Rodan. Eric Dimeco. Une frappe bien ajustée. Night, c'est le premier jeu Saturn de la Sonic Team, et autant dire que vous allez en entendre parler. Un des plus beaux jeux du salon, exclusivement sur Saturn. Force of Darkness, réalisé par les Français de Amazing Studio, sort en exclusivité sur Saturn. Mais de belles images valent mieux qu'un long discours. Admirez. In a world just like our own, lives a boy like any other. Andy! Have you not enough again? No, I was just sleeping in my class in broad daylight! You can't shut me up in there! I know my rights! My uncle's a lawyer! And mine's a judge! Oh, wow! Afraid of the dark? His teacher hates him. Come back here this minute, young man! No way, Jose! Freedom! Yippee!
His dog adores him. Cowboy! And want to wear my hat again? There. Hey, come on, Whiskey! But the thing that really scares him is the dark. Now Whiskey has been snatched away by the forces of darkness. Blast off! Hang on, Whiskey. I'm coming. And Andy must face his fears. In a secret kingdom, a world of magic and adventure. Of furry friends. What's your name? Amigo. And manic monsters. Whoa! No go! Only you can control Andy's destiny. Hold back the forces of evil and face the master of darkness. Get ready to explore a world like none you have ever seen before. Wow. A world at the heart of darkness. Virtuelon, le combat de robots qui cartonne dans les salles d'arcade, arrive bientôt sur Saturn. Three Dirty Dwarves, un jeu avec des héros mutants. Virtua Fighter Kids, une version moins violente du fameux jeu de combat. Bugs 2, la suite d'un des premiers jeux de la Saturn. Premier titre officiel des Jeux Olympiques d'Atlanta, Olympic Games Park et TUS Bowl. 15 épreuves entièrement en 3D vont permettre aux possesseurs de PlayStation, Saturn ou 3DO de s'éclater pendant des heures. Idéal pour jouer à plusieurs, en famille ou entre amis, Olympic Games vous fera passer un été très sportif.
Également issu de la licence des Jeux Olympiques d'Atlanta, Olympic Soccer sort sur PlayStation, Saturn et 3DO. Une rapidité exceptionnnelle, une ambiance sonore fantastique, une jouabilité parfaitement réglée et la possibilité de jouer à 4 ensemble le jeu de football du moment. Est un jeu à ZDAP pour PlayStation et Saturn. Affrontez vos cauchemars et plongez dans vos rêves les plus fous. We'll be right back.
terrifiante aux frontières de l'horreur. Darkstalkers et Night Warriors, les combattants de la nuit. Alpha, ou la suite du jeu de combat de légendaire. Imagine, c'est aussi des développements internes fantastiques avec des équipes comme Westwood Studio ou Burst. Command & Conquer, hit PC de l'année 95, arrive sur PlayStation et Saturn. Un grand jeu de stratégie à la portée de tous. Spot Goes to Hollywood est un jeu de plateforme éclatant au niveau très varié. Skeleton Warriors est un beat'em up 100% efficace, plein d'idées nouvelles. Storm Team 2, c'est l'épisode le plus délirant du ver de terre de David Perry. Run, une idée simple mais 100% fun, de l'arcade pur et dur. Nanotech Warriors, encore un jeu d'action qui innove. Powerplay Hockey, une simulation de hockey d'un réalisme incroyable. De flipper en 2D ou 3D. Virgin, c'est aussi GT qui édite entre autres les jeux du géant de l'arcade Williams.
ont également édité Ultimate Mortal Kombat 3 pour Saturn. MEM est un jeu d'action stratégie plutôt explosif. Area 51 est un shoot issu des salles d'arcade. Hong Time, également signé Williams, vous permet de devenir un as du basket. Enfin, Quake, le jeu le plus attendu sur PC, arrive bientôt sur PlayStation et Saturn. Tout comme Duke Nukem 3D, la meilleure vente PC du moment. Enfin, Virgin, c'est aussi le jeu JVC. Deadly Skies, simulation de vol très complète. Impact Racing, mi-jeu de course, mi-shoot'em up. Victory Boxing, une vraie simulation de boxe. Rond Poursuite, un shoot aquatique étonnant. Ballon à Valley Golf, une simulation de golf. Enfin, Criticom, un jeu de combat futuriste. Mais le jeu le plus attendu est Casper, qui sortira en octobre, simultanément avec la vidéo du film. Un superbe jeu d'arcade aventure où vous prenez en main le célèbre petit fantôme. We'll be right back.
Axiom affrontait des ennemis surgis de l'Égypte ancienne dans un jeu à la Doom particulièrement explosif pour Saturn et PlayStation. Spider-Game, qui sortira en 97 sur PlayStation et Saturn, vous permet de prendre le contrôle d'une araignée. BMG, c'est aussi les produits Crystal Dynamics, un des précurseurs sur console 32 bits. Premier jeu de plateforme 32 bits propose un héros original, une jouabilité parfaitement réglée. La Horde, jeu de stratégie action pour Saturn, bénéficie d'une traduction française parfaite, un jeu 100% délirant. Seigneur de vaste terre dans les plaines de Chypto. Star Wars est un shoot'em up pour PlayStation et Saturn qui ne vous laissera pas souffler une seule seconde. Dragons, écrit par l'ancien Monty Python Terry Jones, est un jeu d'aventure déjanté qui sortira en français pour PlayStation et Saturn.
du baseball et d'une simulation du sport favori des Américains, pour PlayStation et Saturn. Slam & Jam 96 est un jeu de basketball pour PlayStation et Saturn qui bénéficie du soutien de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar. He puts it up, grabs that rebound. Yes. Pandemonium est un jeu de plateforme splendide pour PlayStation et Saturn qui utilise de façon très originale une batterie à 3D. Legacy of Kain devra s'imposer comme un jeu de rôle majeur sur console 32 bits. BMG représente aussi Rocket Science qui prépare ses premiers jeux pour console 32 bits. Ganymede sera le premier jeu pour PlayStation et Saturn. C'est une course d'un nouveau genre à la surface de la fameuse planète. Prochaine cassette de CD console. Quant à l'E3, il aura lieu à nouveau l'année prochaine, en juin, à Atlanta. Bonne vacances.